Thank you.
The spiritual message we have to listen to this morning is taken from the book of Exodus. Exodus chapter 20, from verse 11 to 21. Ogun me ko shiwe yewe to hon dalimiton. Ni ni de to so owe Exodus iton. O tae ton ko. Yewe so akwe ton wido kodo ije konukuno po. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le Sauveur. Roi Tout-Puissant. Nous sommes réunis ici en ce jour. Tel que ta voix l'a dit. Que ce que nous avons lu, que nous la comprenions. Bénis-nous de l'esprit qui reconnaît ce que ta voix dit et la pratique. Bénis-nous de la connaissance et de la force qui pratique tes paroles. Aucun de nous n'en manque, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici ce que nous avons lu dans ce passage en ce jour. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le septième jour. Le jour du repos. Et l'a sanctifié. Sur la terre aujourd'hui, les blancs, les noirs, tous sont égarés. Et pourquoi sommes-nous égarés? Il n'y a personne pour rappeler la vérité, la justice dans la parole de Dieu. Il n'y a personne pour répéter ces paroles aux hommes. Concernant le jour du repos de Dieu, personne ne s'en rappelle, tout le monde a oublié, si ce n'est qu'on se choisit un jour de repos pour soi-même. Chacun a son propre jour de repos et c'est fini là. Personne ne considère cela comme quelque chose de sanctifié. Voici la parole de Dieu nous la rappelle ici. Car en six jours, l'Éternel a créé tout ce qu'il y a sur la terre. A-t-il l'aimé? Et dans les cieux. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi.
L'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Ce que Dieu a sanctifié, nous aussi, hommes, sanctifions cela. Le jour dont Dieu a dit, c'est un jour sanctifié. En ce jour-là, moi-même, je me suis reposé. Qui sommes-nous, nous hommes, et nous refusons de nous reposer? Et même si tous les hommes dans le monde ont oublié, nous soyons des gens qui ont cela en souvenir. Même si quelqu'un se moque de nous pour cela, ne le considérons pas. Même si quelqu'un nous persécute pour cela, ne considérons pas cela. Ce dont nous devons prendre soin, c'est que c'est le Seigneur qui l'a dit et je respecte ce qu'il a dit. Parce qu'il l'a dit, je le ferai. Et tout ce qu'il a dit ne manque pas d'être accompagné de bénédictions. Il les a dit pour pouvoir distinguer ceux qui lui appartiennent dans la foule. Si quelqu'un écoute sa voix, le craint et pratique ce qu'il a dit, il reconnaît celui-là comme quelqu'un qui lui appartient. Et si d'autres écoutent, rivalisent contre cela et s'en moquent, il les reconnaît comme ceux qui ne lui appartiennent pas, ceux qui rivalisent avec lui. Si moi je dis parce que c'est Dieu qui l'a demandé, je vais me reposer en ce jour, qu'est-ce qui vous concerne, vous hommes, et vous allez vous moquer de moi? Rien ne vous concerne, c'est entre mon Dieu et moi. Mais comprenez que toutes ces ordonnances, tout ce qu'il dit, c'est pour vérifier, distinguer ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Mais quand il est en deux volets, et d'autres. Les siens ont une place. Maintenant, c'est Jésus dans la main. Jésus nous a dit, vous l'aurez entendu. Ouais, pour n'en dire, l'homme. Avant de monter au ciel. Et dans la devise de mon. Il a dit aux disciples. Et là, il a dit à mes frères. Il serait bon pour vous que je monte au ciel. Donnez-y. Car si je m'en vais, je irai vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous emmènerai. Là où je vais demeurer. Car là où je suis, vous serez là aussi. C'est ce que Jésus a dit. Ce serait plus bénéfique pour vous si je m'en vais. Car quand je m'en serai allé, j'irai vous préparer une place. Je vais vous préparer. Supposons maintenant
Amado merito yovotome, akana yovotome. Tu n'as personne en Occident, or tu veux voyager pour aller là-bas. Eto dandan, doarando merito flin. Il est nécessaire que tu aies un autre quelqu'un là. Warando, we watu flin. Et tu vas le prévenir du jour de ton arrivée. Et il va te préparer une place là où tu vas rester quand tu seras là. Avant que tu puisses y aller. Et quand, si tu viens, il viendra à ta rencontre. Et va t'emmener. Jésus est l'autre que nous avons dans les cieux. Et il dit qu'il ira nous préparer une place. Il leur a encore dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous gardez mes commandements, vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. Donc le respect des commandements de Dieu montre à Dieu que voici ceux qui sont ses disciples. Et la désobéissance à ces commandements montre que ceux-ci ne t'appartiennent pas. C'est pour reconnaître les siens. Ceux qui obéissent à ces paroles sont les siens. Ceux qui n'obéissent pas à ces commandements sont pour le diable. Où tu es né, mito, n'de baï ou est sok beko, j'ai aussi béni de ko. Ni mérite miko, ni mérite ndeule do, ni mérite sodo emilesson si c'est de bon baouboto, nous voir, nami, mbouma point de blou. Pour cela, si vous faites quelque chose qui est conforme au commandement de Dieu, et il y a quelqu'un à côté qui se moque de vous, ou un soi-disant adorateur plus sage que vous, ne le considérez pas. Et pourquoi vous ne devez pas le considérer? Le tentateur qui a tenté Adam dans le jardin d'Éden, il est en celui-là pour se moquer de vous, pour vous pousser et pour vous inciter à faire ce que Dieu ne veut pas. Où tout? Pour cela. Le Créateur du ciel, de la terre, de tout ce qu'il renferme, a dit qu'il a fait créer ces choses-là en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Pour cela que nous nous reposions aussi en ce jour-là. En ce jour auparavant, c'était un jour de fête. Un jour de belle vie. Des jours de cérémonie. Pour nous et tous ceux qui sont dans le monde. Ce jour de repos. Si on ne va pas à une cérémonie d'enterrement, c'est que c'est une cérémonie de mariage ou autre. C'est ce qu'on faisait avant. Où il y a quand même une carte d'invitation, te dit je veux te voir tel jour. Mais aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a fait, que nous avons compris que on ne devait pas faire ces choses en ce jour-là. Mais se reposer, lire la Bible et prier avec les enfants, c'est ce qu'il faut faire.
papa na noté de ville con mama na noté de ville con bo mi na sha yin pour de wedo po pour ho de do po bo nu e ma nyo ma unu ku men bo do mi meto ku mi ton gbe mi lo su papa na gbede do to mi de chanchan. Après le culte à l'église, on se retrouve à la maison. Le père et la mère doivent être présents, rassembler les enfants, les instruire sur la parole de Dieu et faire les réprimandes sur les choses qui ne devaient pas être et qui sont. Comment allons-nous conduire les choses ainsi? On ne serait pas béni tel qu'il a béni ce jour-là. C'est pourquoi l'Éternel a béni ce jour. Et là, béni et l'a sanctifié. Donc le jour du repos est un jour béni et sanctifié pour le Seigneur et pour nous les hommes. Que celui qui est pour le Seigneur ne néglige pas cela. On avance. Le verset 12, il nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, le pays que Dieu t'a donné, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Voyez-vous ce qu'il y a dans le respect, l'honneur aux parents. Honore ton père, honore ta mère. Afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Gloire à Jésus-Christ pour toujours. Que l'enfant qui désire la longévité honore ses parents et honore Dieu. Parce qu'il n'y a plus personne pour répéter ces choses dans les oreilles des enfants, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que nous sommes dans les temps modernes, les temps anciens sont passés. Si quelqu'un vit selon les temps modernes, il sera ennemi de Dieu. Mais s'il vit selon les temps passés, il sera ami de Dieu. Que tous ceux qui veulent être amis de Dieu honorent leur père, honorent leur mère, et qu'ils fassent tout ce qu'il leur commande. Ainsi, ils seront amis de Dieu. Les parents aussi seront contents. Ils vont vous bénir. Ils rendront aussi grâce de ce que Dieu leur a donné des enfants. Eh bien, aujourd'hui, plusieurs personnes sont dans des soucis créés par leurs propres enfants. Parce que les enfants ne leur obéissent plus. Parce qu'ils n'obéissent même plus au commandement de Dieu. On ne les a pas instruits avec la parole de Dieu. Ils vivent leur vie comme ils veulent dans le monde. Pour cela, tout le monde a de portables. Il y en a de l'Iran. Dans
Pour aller au rendez-vous de débauche, d'ivrognerie, de toutes sortes de mauvaises choses et vivre selon les penchants de leur cœur. Lorsque j'ai dit ça, dis-moi maintenant, tout ce qu'on te dit par les téléphones portables, combien de bonnes choses il y a-t-il dedans? Moi aussi, j'ai le téléphone portable et je connais ceux qui ont le courage de venir tenir de mauvais propos. Et toi, dis-moi, combien de bonnes choses te dit-on à travers ton téléphone portable? Si ce ne sont pas des choses qui vont totalement éloigner de Dieu. Ou bien des choses qui vont avilir la parole de Dieu dans ton cœur. Combien de fois t'a-t-on invité à faire la volonté de Dieu par ton téléphone portable? Et ce ne sont pas des choses qui vont te faire être t'éloigner de Dieu si ce ne sont pas ces choses-là qu'on t'invite à faire. Honore ton père et ta mère. Quand ils te parlent, écoute-les. Obéis à ce qu'ils te demandent de faire. À part cela, tu n'as plus la longévité. Le verset 13 dit, tu ne tueras point. Aujourd'hui, le meurtre est un sujet d'amusement. Les petits tuent, les grands tuent. Tuer, c'est la menace qu'on fait aujourd'hui plus fréquemment. Tu ne tueras point. Mais aujourd'hui, c'est le meurtre qui a rempli le monde. Et chaque jour, on fabrique des armes plus sophistiquées qui vont tuer en masse. Ou bien des poisons lents pour tuer. Quand la personne consomme, la maladie vient un peu après, continue son cours. Le cerveau de l'homme ne conçoit plus ce qui peut être bon pour son prochain dans le monde. Mais des choses qui peuvent tuer. Ce qui peut rendre malade. Ce qui peut faire du mal. C'est ça la connaissance de ceux qui n'ont pas vu trop connu Dieu. Le verset 14 dit, tu ne commettras point d'adultère. Aujourd'hui, l'adultère n'a pas de limite. Personne ne considère même plus cela comme un péché. C'est comme un jeune divertissement. Or, c'est quelque chose qui peut faire de l'homme l'ennemi de Dieu. Le verset 15 dit, tu ne déroberas point. Mais aujourd'hui, c'est en présence de la personne qu'on va lui prendre, on lui voler ce qu'il a. C'est le vol qui est dans la tête des hommes et des femmes.
Ya fouillé papa dans problème au de quoi jamais et go trop de cry ya ya oui et ton jamais et va ya quoi quoi ma cousin son go solene na ma wena ya babo jo hodo a 40 ans jolo jeromo à l'aise dans les bazin vie les bazin vie les ba deje to le to fi tin les ba tan me do de ma ou vi le ma ou vi jesu do do emi na wule a u tin ton da yi na me bo ina no Fifi fa kwepo mo janwe o tin legba tonde ule a wo tonda ine me wa nu di legba to se me je do jowe mere fina yero su je ine jusqu'quand papa entre on va fouiller dans ses poches et on prend sa part il vient vérifier il fait le compte et il voit que ça manque mais il finit pas laisser tomber et toi qui a volé tu vas te retrouver à la même place que le diable. Parce que tel que Jésus a prévu une place pour les siens, de la même manière, ceux qui ont agi comme le diable vont se retrouver à la même place que lui. Car il est le premier qui a désobéi et tous ceux qu'il a incités à la désobéissance vont se retrouver au même endroit que lui. Mais maman est dans Djadjo, papa est dans Djadjo, au vie est dans Djadjo. Doto o do mere pepe o doto do ajogma de kon eze we do nde pepe de kon eze we do nyen do kon je vi mon jajo ada jo je ma je vi ba les mères les pères les enfants qui volent qui dérobent à quiconque qu'ils sachent qu'ils vont se retrouver à cette place du diable parce qu'ils ne sont plus enfants de Dieu. Le verset 16 dit tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Aujourd'hui, comme auparavant, c'est avec cela qu'on plonge son prochain. Il suffit de trouver quelques personnes qui vont faire le faux témoignage. On plonge la personne. C'est ce qu'on a fait à Jésus aussi. Ça, c'est plein. C'est un peu partout dans le monde. Cela, faux témoignage. Ça surpasse un peu partout. Mais tu ne peux pas être en train de faire cela et être quelqu'un qui appartient à Dieu, mais tu appartiens à Satan. Le verset 17 dit tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. Que ce soit sa maison, sa femme, son serviteur, sa servante, ou son âne, ni son bœuf, rien de ce qui appartient à ton prochain ne doit te plaire. Nous combien maintenant? Celui qui convoite n'est pas enfant de Dieu. Il est enfant de Satan. Ce sont ces choses que Dieu appelle péché, et si quelqu'un continue de les pratiquer, il ne peut pas se retrouver à la droite de Dieu. Verset 18. Tout le peuple entendait les paroles. Il y avait des coups de tonnerre. Le son de la trompette. Il voyait les flammes et la fumée sur la montagne. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement de la montagne.
Comme il tremblait éloigné, ils dirent à Moïse, toi-même va recevoir les paroles et viens nous parler, nous écouterons. Mais que Dieu lui-même ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu lui-même est venu nous rencontrer. Et c'est pour que vous ayez sa crainte. Que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, ceux qui ont la crainte de Dieu ne pêchent pas. Moïse a dit, c'est pour qu'ils aient sa crainte et ne pêchent point. C'est pour cela que Dieu lui-même est venu leur parler. Donc, les commandements que nous lisons aujourd'hui, c'est venu de la bouche de Dieu lui-même. Il était le premier maître de Moïse avant d'être le maître d'Israël. Lorsqu'il parlait, le peuple tremblait. Le verset 21 dit, le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse approcha de la nuée où était Dieu. Gloire à Jésus-Christ éternellement. Maouklo, Osien. Dieu est grand et redoutable, mais il souhaite que les hommes humbles s'approchent de lui. Quand les hommes, les obéissants s'approchent de lui, ils ne sont pas du tout blessés, mais ils sont bénis. Mais les autres avaient peur. Et s'était éloigné. Mais Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu? Parce que Dieu aimait qu'il soit proche de lui. Jésus-Christ et Marie dit, Jésus-Christ n'est pas Marie, c'est lui qui se promenait au milieu des hommes. Il se moquait de lui, on lui lançait des pierres. C'est ce même Jésus-Christ qui était dans la nuée et les hommes se sont éloignés, ils avaient peur. Lorsqu'il reviendra, son prochain avènement, tous les hommes seront dans la crainte. Parce que lui-même a dit, il a dit qu'au jour du jugement, lorsqu'il paraîtra dans le ciel avec ses anges, tous les chefs d'armée vont demander aux montagnes de rouler sur eux.
Les rois vont demander aux montagnes de tomber sur eux. Tous les méchants diront la même chose. Ne tuez pas. Tous ceux qui s'entêtent et tuent sur cette terre vont demander aux montagnes de rouler sur eux. Comment les choses seront si dures en ce jour-là au point où les chefs, les puissants, les soldats qui se sont entêtés vont demander aux montagnes de rouler sur eux. S'ils ont vu la nuée, se sont éloignés ayant peur. Comment vont-ils réagir quand ils verront le roi lui-même apparaître avec des anges dans le ciel? Nous désirons rouler, mais t'es dit, aïe, maïe. Ce pourquoi nous nous préparons aujourd'hui, le monde ne le sait pas. Parce que ce qu'il y a dans ce monde a voilé leurs yeux et ils n'ont pas pu comprendre. Nous à qui Dieu a donné de connaître cela, préparons-nous réellement. Pour rencontrer Jésus-Christ très bientôt. Et les choses que nous devons éviter pour être les siens, voici ces choses. Et si nous nous entêtons, nous pratiquons ces choses, alors sachons ce qui nous attend. Le jour, son jour de repos, même si nos pères n'avaient pas connaissance de cela et que Dieu nous a donné sa connaissance, nous, nos enfants et nos petits-enfants, prenons soin de ces choses jusqu'au retour de Jésus. Que Jésus bénisse chacun de nous.
Tu es créateur de toutes choses. Il faut, c'est toi qu'il faut qu'on écoute. Car si tu dis que quelque chose est tel, c'est cela. Que notre force ne dépasse plus tes paroles. Mais que nous nous limitons et respectons tes paroles jusqu'à ton retour. Sauve-nous de l'entêtement de ceux qui poussent à désobéir. Que ta lumière luise en nous pleinement, Père. Que les ténèbres ne la couvrent pas, Seigneur. Que tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint que tu as promis, je demande qu'ils le reçoivent, Seigneur. Nous crions également à toi. Guéris-nous. Ôte de la vie de petits et grands les maladies. Nous ne manquons pas de force pour travailler, dépenser pour ton œuvre. Fortifie tous les faibles hommes comme femmes ici présentes. Que ta parole devienne une force qui va entrer en eux, les donner la vigueur. Père, exauce nos prières. Et fais de nous des bénis dans ta parole. Et dans la puissance de ton Saint-Esprit. Sauve notre pays. Sauve les petits et les grands. Que le malheur qui rôde autour du pays n'y entre pas. Bénis-nous dans ce pays, Père. Que nous ne devenions pas des maudits. Je te rends grâce parce que tu as exaucé et tu l'as déjà fait. Gloire à toi éternellement. Au nom de Jésus.